suis pas hyper contente de ma grimpe. J'ai fait des belles erreurs, enfin surtout une belle là, à peu près à l'endroit où je suis tombée, donc ça m'a un peu ouvert d'un coup et derrière, vu que les prises sont loin et que c'est physique, j'ai pas réussi à relancer ma grimpe. J'avais un peu froid aussi, donc on est resté un moment derrière, mais bon, ça c'est un détail. Mais sinon, je suis quand même contente d'avoir pu regrimper devant le public de Chamonix et ça fait plaisir de retourner en finale surtout. C'était le but de cette compète, de repasser un peu le cap et de me faire un peu plus confiance. Alors là, les quelques jours qui restent, ils vont servir aux préparatifs, aux papiers pour le Covid, aux tests, enfin beaucoup de petites choses comme ça. Je vais continuer de m'entraîner, profiter de mes proches et je pars lundi prochain, donc le 19. Et du coup, ça va être assez intense, je pense. C'est quelques jours, mais il va falloir se détendre et profiter des petits moments avant de partir. Et quand je serai là-bas, ça sera une autre histoire. En fait, c'était particulier parce que je ne m'attendais pas à ce que ça soit si intense et si dur. Je pense que les ouvreurs, ils ont pas tout à fait envisagé le fait qu'il pleuve vraiment beaucoup la journée. Donc toutes les prises, elles étaient super humides. Et ça, à gérer, c'était vraiment dur parce qu'on pouvait se relâcher à aucun moment. Et donc tout de suite, ça pardonne pas. Tu commences à être fatigué, une erreur et c'est en bas quoi. Mais bon, après, je suis quand même content, c'était sympa. Ah oui, c'est sûr que ça donne de la confiance. En faire deux d'affilée, ça montre que j'arrive à être régulier et ça me fait quand même plaisir. Après, j'en fais peut-être pas 3 ou 4, mais déjà 2, c'est vraiment super dans une saison. Ouais. C'est sûr que le public qui pousse derrière, il y a du monde, ça fait quand même vraiment plaisir. C'est hyper motivant pour grimper et puis voilà, c'est des bons souvenirs, des bonnes expériences. Je serai à Briançon là, j'ai retenté ma chance pour aller dans les finales, on verra bien. Hein.